Parfois, vous négligez ce qui est en train de vous arriver. Vous négligez. Vous êtes dans une bataille sur votre destinée. Vous êtes dans une bataille sur votre destinée. Et le but, c'est de vous enlever de la course. Il y a les combats que vous êtes en train de mener actuellement. Vous n'êtes même pas conscient que vous êtes dans une bataille. Tu crois que c'est par hasard que tes choses sont bloquées depuis? Tu crois que c'est par hasard? Parfois tu as tout. Mais l'ennemi connaît que la femme-ci, elle ne doit pas persévérer. Dans cette saison, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être brisées de votre vie. Il y a beaucoup de malédictions. Non, ce soir, je ne suis pas dans le mode rouge à lèvres. Je suis en mode guerrière. On m'a montré qu'il y a beaucoup de batailles. J'ai passé la journée dans la bataille. Vous savez que les gens simplifient beaucoup le jeûne. Les gens simplifient le salaka. Les gens simplifient. Quand on dit faites les dons, ils disent car, depuis que je fais ça, a donné quoi? C'est facile de simplifier le jeûne. Comment je me prive de nourriture? Je prie, ça fait quoi? Peu importe ta beauté, je vais te donner quelques signes que tu es en train d'être délivré. Premièrement, pour savoir que tu es attaqué, tes humeurs changent beaucoup. You have mood swings. On appelle ça mood swings. Deuxièmement, les gens te promettent les choses dernière minute. Cette semaine, si la personne t'aime jusqu'à la semaine prochaine, il ne veut pas te sentir. Troisièmement, tu as des promesses non respectées alors que tu remplis tous les critères. Mira, je vais te bloquer. Ne me dérange pas. Ne me dérange pas. Tu remplis tous les critères. Quelqu'un vient, il te voit, il dit qu'il veut t'épouser. Soudainement, il change d'avis. Ma boutique est à la 9e tranche, oui, à Abidjan. Le numéro, c'est le 074, non, 0779 02 52 05. Vous devez détecter ce qui se passe dans votre vie. Quand tu observes ta vie, tu te rends compte que tu es en train de répéter les mêmes choses que ta mère. On te met sur un coup de 40 millions pour faire quelque chose. Quand tu dis que donc ma vie va changer, quand on t'explique le business plan, c'est clair.
Dans ta tête, tu vois comment, tac, 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 j'achète ma maison de 60 millions. Mais tu sais toujours qu'à la dernière minute, tu ne clôtures jamais les deals. Tu es déjà habitué. Tu es déjà habitué. Tu as les problèmes comme, oh, je n'arrive pas à jeûner. J'essaye, mais bon, ce n'est pas si nécessaire, non? Tu ne penses pas que tu dois jeûner. Tu ne penses pas qu'il faut prier. Quand il faut même donner, tu prévois de donner à 17h. À 15h, un problème de maladie sort. Et c'est la somme que tu as dans ta poche. Tu n'arrives jamais à semer quelque part. La raison pour laquelle vous me voyez briller, et vous pouvez me voir briller et sourire, c'est parce que je connais aussi rentrer dans la place, dans le closet, comme on dit là, dans l'armoire. Bain de sel, bain de pipi, bain de fumée, prière, offrande, jeûne. Parfois tu es attaqué, tu ne connais pas que tu es attaqué. Souvent même les comptes, nos comptes là sont attaqués. Tu restes comme ça là, en une journée tu as 50 abonnés. Il y a des jours tu as 5000 abonnés en une journée. Tu vois, tu crois pas qu'il y a quelque chose quelque part, non? Le plus grand travail du diable dans ta vie, c'est que tu penses que tu n'es pas bloqué. C'est que tu penses que tu es venu accompagner les gens. Tu penses que les gens sont venus pour entrer les grosses voitures, toi tu es sorti prendre le bus. Tu as 52 ans, tu prends le bus. Ça fait 20 ans que tu es en Europe. Ça ne te dit rien. Tu arrives, tu demandes les papiers. Quelqu'un vient 5 ans après, tu lui demandes les papiers. Il obtient après 3 mois. Tu obtiens ta part après 8 ans. Ça ne te dit rien. C'est là que tu te commandes. Je vous donne tout ça et cela sur ma page tous les jours. Le bain de pipi. Bain de sel. Vous brûlez le laurier à la maison. Le laurier ou le girofle. Vous brûlez même l'autre que vous mettez sur vous. Ne blaguez pas. L'ennemi vous cherche. Et parfois, il va te donner un petit semblant de victoire. Tu cherches l'homme. Tu veux te marier. Tu n'as pas précisé ce que tu veux. Monsieur Georges, je t'ai écrit aujourd'hui, tu n'as pas répondu. Tu es sorti de mon groupe. Je t'ai écrit. Tu as vu mon message. Tu es sorti de mon groupe, pourquoi? Bon, je continue mon truc, mon direct. Tu as demandé, Seigneur, je veux telle chose. Ton ex te recontacte. Ton ex te recontacte. Et tu sais que ton ex, ce n'est pas ta destination. Tu es en plein blocage, chérie. Tu es en blocage. Même l'émotion que tu as avec ton ex là. Cette émotion là, ça bloque. Ça bloque. Ça t'a mis le plafond. Et tu ne sais pas. Le Seigneur m'a dit de vous dire que quand vous jeûnez, vous avez le droit de vous attendre à des miracles, à des rentrées financières exponentielles. Ésaïe 58. Verset 6. Dénoue les liens de la servitude. Je sais que vous croyez que vous ne servez personne. Détache les chaînes de la méchanceté. Tu es sous l'emprise des chaînes de la méchanceté de quelqu'un quelque part. Que ça a été fait aujourd'hui, que ça a été fait il y a 50 ans. Il y a quelque chose qui t'attache.
C'est pour ça que tu n'as pas encore la G-Wagon que tu veux là. C'est pour ça que tu n'as pas encore la Mercedes-Benz que tu veux. Renvoie libre les opprimés. Tu es sous une oppression, que tu le veuilles ou pas. Que l'on rompe toute espèce de joug. Pendant que tu jeûnes, ça te donne le droit. Le joug, c'est quelque chose qu'on met sur ton cou. Hein? On met sur ton cou pour te contrôler. Vous êtes sous l'emprise de certains jougs. Les trois derniers hommes avec lesquels tu es sorti, c'était des pauvres. Parce que tu as un joug de pauvres sur toi que tu ne connais même pas. Pourquoi de tous les hommes là, ce n'est que le genre d'homme là que tu attires ou par qui tu es attiré? Tu as un joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. J'espère que vous avez donné. Vous aimez qu'on prie pour vous. Vous ne connaissez pas faire une offrande. Il y a les offrandes sacrificielles. Que quand tu sors de ta poche comme ça, là, tu donnes à l'homme de Dieu. Tu donnes au ministère. Tu sais que ce que je suis en train de donner là, ça va me libérer. Je suis en train de vous donner ce qui vous libère. Ce n'est pas à partir de voir le pasteur prier pour toi que ça va te libérer de quelque chose. Vous aimez ça? La femme qui saignait depuis des années, elle est venue à Jésus sans parler à Jésus. Elle n'a pas parlé à Jésus. Elle savait déjà ce qu'elle voulait. Elle est venue prendre sa bénédiction. Connaissez comment prendre. Si quelqu'un me suit depuis 6 mois, il ne connaît pas jeûner et se détacher pendant le jeûne. Tu dois pouvoir regarder après 3, 4, 5 mois. Tu dis, waouh, j'étais comme ça l'année passée. En mars, j'étais à tel endroit. 6 mois plus tard, j'ai ouvert 2 boutiques. 6 mois plus tard, j'ai maigri. C'est comme ça que tu connais que tu es en train d'avancer. Vous êtes sous l'emprise de tellement de forces. Et pendant que tu retires une force, on vient quand même mettre 3. Les gens que vous rencontrez, vous couchez avec eux là. Ils ont menti pour eux, c'est ça. Ce n'est pas la blague. Oui. Allô? Oh. Oh, Yako. C'est la même personne qui te fait souvent manger. Ah, c'est pour ça. Là, tu vas mieux. C'est chez toi déjà. C'est déjà chez toi. Ok, pas de problème. Mais est-ce que tu vas appeler un de tes gars pour qu'on récupère? Est-ce que tu vas envoyer un de tes gars? Un de tes gars, tu vas l'appeler? Ah, tu es déjà à la boutique. D'accord. Pas de problème. Ça marche. Je vais envoyer alors. Merci. Je peux te faire wave. Tu fais ça. Merci beaucoup. Yako. Hein. L'ennemi vous calcule tellement. L'ennemi vous calcule tellement. Tu te débarrasses d'un. Et même lourdement. 3 entre. Vous devez être conscient de ce dans quoi vous êtes. Le temps n'est plus dans le jeu. Regarde ton âge. Tu as attendu qui est venu te délivrer? Qui est venu? Personne, non. Lève-toi, tu jeûnes.
Même si tu es témoin de Jéhovah, même si tu es de n'importe quelle religion, comment ça fait? Tu attends que c'est Dieu qui vient t'aider. Ok, Dieu, aide-la. On vous donne les principes, vous ne voulez pas respecter. C'est ça votre problème. Mamie, ne te plains même pas. Hein, que je ne comprends rien à ma vie. Et oui, je pleure, maman, rien ne donne. C'est toujours comme ça. Vous venez tout vous plaindre. Tu tombes sur la page de quelqu'un, va voir ce que la personne fait. J'ai plein de vidéos en ligne. Regarde vidéo qui va t'aider. Le jeûne d'aujourd'hui était intense, mais c'était nécessaire. On entre dans le 11e mois. L'année est finie, hein? Tu peux jeûner, tu ne fais pas correctement ce qu'il faut faire. Ton jeûne est nul. Tu t'es privé de nourriture pour rien. Carole, ce n'est pas ici qu'on demande les colis. Ne me cherche pas. Tu as compris, non? Vous aimez les problèmes. Hush. Vous pensez que comme je suis dans la spiritualité, je suis désordonné, n'est-ce pas? Parce qu'elle dit que réponds-moi. Je ne te réponds pas. Vous aimez ça? Je ne te réponds pas. Tu payes un de mes produits en inbox. Je suis en direct, tu vas me dire que tu n'as pas reçu. Je te trouve où? Je sais que tu as commandé quoi? Qui t'avait la sorcellerie sur moi? Sophie! Prends un téléphone, tu appelles cerveau. Va dans les numéros WhatsApp, tu appelles cerveau. Il va t'envoyer le téléphone. Tu te rappelles là où tu étais venu me trouver à cabine bleue. Appelle-le, il dit qu'il va envoyer le téléphone par ici. Tu l'appelles, tu demandes si il fasse le Yango. Ça ne va pas durer. Vous devez vous engager. Regardez un peu ce qu'on dit ici. Hein. Que pendant que tu jeûnes, c'est le jour où tu vas, Ésaïe 58, verset 6, détacher les chaînes de méchanceté sur toi, sur ta vie. Dénouer les liens de la servitude. Te sortir de l'oppression. Hein? On jeûne encore après-demain. Le premier, le 2, le 3, on jeûne. Premier, 2 et 3, on jeûne. On refait la même chose. Les gens ont obtenu leur papier. Et quand tu jeûnes, si tu peux, prends le sel que je vends. Et tu prends le thé de désenvoûtement, tu bois. Quand tu jeûnes et tu bois le thé, là, toi-même, tu vas confirmer. Tu donnes aux orphelins. Tu te laves au pipi le matin. On poste les affaires à Braza. Le numéro est dans la bio. Écris là-dessus. Partage ton pain avec celui qui a faim. C'est écrit dans la parole. Ce n'est pas moi qui dis. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Vous êtes nouveau sur ma page. Je vous en prie. Allez regarder mes vidéos. Si vous n'avez pas 15 minutes pour regarder mes vidéos, ne me posez pas question. Ok? Parfois vous-même, vous ne voulez pas vous aider. Verset 9. Verset 8 d'abord. Ta justice marchera devant toi. Ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison germera promptement. Ça veut dire que tu es malade, tu ne connais même pas. Il y a le thé à Libreville, oui. Il y a le thé à Libreville. Tu prends ça avec le sel arc-en-ciel. Thé, sel arc-en-ciel. Si tu peux, tu prends le donne-moi tout. Le donne-moi tout, c'est le parfum. Tu mets sur la langue pour prier, c'est très fort. Thé de désenvoûtement, sel arc-en-ciel et le donne-moi tout pour ta langue.
Merci Betty. Il te dit que ta lumière va pointer dans... Ça veut dire que tu étais d'abord dans le noir, tu ne savais même pas. Deuxième chose, bonsoir 77. Deuxième chose, il te dit, ta guérison, donc tu es malade, tu ne connais même pas que tu es malade. Ta justice marchera devant toi. Ça veut dire que là où tu es là, hein, tu es dans une injustice, tu ne connais même pas. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ça veut dire qu'avant, c'est les ténèbres qui marchent avec toi. Et ce que je vous cite, c'est les choses que tu as le droit d'appeler quand tu jeûnes. Je vous ai dit d'envoyer vos sujets de prière. J'ai mis le numéro de téléphone dans le groupe, ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp. J'étais déçue de voir le peu de personnes qui ne veulent pas façonner un sujet de prière. Je veux la santé. Je veux la santé. Je veux l'ouverture de toutes mes portes. Je passe trois heures, j'enregistre les vidéos, j'enseigne, j'envoie les instructions comment prier. Hmm? Oui. Toi, tu m'écris. Tu me dis, tu veux. Je veux le déblocage de toutes mes portes. Il faut attendre, porte va s'ouvrir. Même Dieu, là, il aime les gens qui s'aident aussi. Paresse, là, est tellement sur vous. Paresse. Tiens, je vais t'envoyer ça dans le groupe. Pour être dans le groupe, tu écris, tu dis que je veux entrer dans le groupe. On va te l'envoyer. Non, non, je dis aux gens de là, du direct, si. Oui, envoie-moi le téléphone chez moi, s'il te plaît. Attends, je vais copier son numéro, j'envoie. Le numéro est dans la bio. Prenez le numéro 237-693-52-22-66. Je suis à Abidjan, à Angré. Le local est à la 9e tranche. Le numéro est dans la bio. Écrivez là-bas. J'envoie les prières dans le groupe. Et quand je suis en direct, je mentionne dans le groupe. Ne venez pas chercher autre chose dans mon groupe. Si tu entres, ça ne te plaît pas, tu peux sortir calmement. Et je vous parle aussi de mes produits. Ok? Voilà. Si ça n'intéresse pas quelqu'un qui n'entre pas dans mon groupe, je ne veux pas la pression. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Bonsoir, ma reine. Je vous suis à la lettre. Vous n'avez pas idée des bienfaits de vos que vos enseignements font dans ma vie. Je viendrai pour mon témoignage. Même ça, d'ailleurs, c'est le témoignage. Parfois, vous attendez d'avoir la grosse voiture pour témoigner. Je parle avec une dame aujourd'hui. Elle me dit qu'elle est en congé maladie. Je vais augmenter les prix des kits au Cameroun à partir du 1er novembre. Les prix des kits vont augmenter. Voilà. Donc, on va augmenter au moins 15 000 dessus. Ne venez pas me dire que oh, je n'ai pas d'argent pour payer. Je ne veux pas. Il y a les taxes, il y a les loyers, il y a les employés à payer, tout ça là. Le Cameroun, c'est le seul pays où les trucs étaient encore excessivement moins chers. Pour entrer dans le groupe, écrivez en inbox, je vous en prie. Écrivez en inbox. On va vous donner le lien. Tu cliques sur le lien, tu entres dans le groupe. Il dit, alors tu appelleras l'Éternel, il te répondra. Tu vas crier, il va te dire, me voici. Il y en a parmi vous, on ne vous répond jamais. Tu as l'impression que tu pries, tu n'es jamais entendu. Croyez-moi, il y a les gens que quand ils prient, Dieu les écoute. Et je reviens sur les offrandes. Apprenez à faire des offrandes. Dans ton argent, tu dois avoir la dîme. 10% de ton salaire. Tu donnes ça là où tu es nourri spirituellement. Tu as l'argent que tu donnes pour tes parents. Tu as l'argent que tu donnes pour les orphelins. Tu as maintenant ton offrande. Tu as même aussi l'argent du Saka.
Tu achètes des biscuits, tu donnes aux gens comme ça là. On va sortir samedi encore. On prépare encore. Dans l'association Leaders, on fait à manger pour les sans-abri. Donc, on le faisait une fois tous les 3 semaines. Mais là, je veux vraiment que ça se fasse tous les samedis. Donc, samedi qui arrive, on va sortir à nouveau. Donc, les offrandes qu'on a récoltées aujourd'hui, qu'on va récolter le 1er, le 2 et le 3, ce sera, on est en train d'aménager les locaux de Douala. Donc, on va avoir, on a déjà même sur place, un local de consultation, dont on a un médecin qui viendra une fois par semaine. Et les parrainages continuent. On vous permet de parrainer. Vous, chaque mois, vous envoyez un argent pour un orphelin. Un ou deux ou trois, ça dépend de vous. À partir de 20 000 en montant. Il y en a même au nord, on peut parrainer avec 15 000 au mois. Il y en a qui demandent à parrainer peut-être des bébés qu'on avait ramassés, peut-être quand ils venaient de naître. Parce que parfois, on vient abandonner les enfants dans les orphelinats. Bon. Donc, ce week-end, on va sortir pour partager la nourriture aux sans-abri à nouveau. Et tous les mercredis, à partir de la semaine prochaine, on va distribuer les petits déjeuners. Donc, le local qui est à Bano Palace à Akwa, on va faire de telle façon que le matin, les sans-abri pourront venir prendre beignet et puis bouillie. On verra si on peut faire un box pour le haricot. Le haricot avec l'huile, c'est un peu compliqué, mais au moins que beignet, bouillie, c'est facile à porter. Ça, c'est avec les dons que vous faites à l'association. On est arrivé l'autre jour, la semaine passée quand j'étais à Douala, on a partagé 49 plats de nourriture costauds, hein, des repas costauds. 49 plats de nourriture dans la rue. Croyez-moi, les passants qui voulaient prendre la nourriture, I was like, c'est pour les sans-abri qu'on prend. Croyez-moi, les gens ont besoin de... Les gens veulent manger. Donc, Libreville, ça arrive au trop tard, le 15 novembre, on aura lancé pour Libreville. J'initie ceci parce que je sais que quand je travaille sur quelqu'un, je te fais un bain de déblocage, je te dis, tu dois donner quelque part à quelqu'un. Parfois, tu restes en salle, tu as prié, tu as jeûné toute la journée. Tu prends le sucre, les bonbons, tu vas dans un orphelinat avec. Ok, ça c'est pour mes prières que j'ai fait hier, Seigneur. Voilà mes enfants. Pour mes enfants, Vicky, Jacqueline, Jérôme. Seigneur, bénis mes enfants. L'offrande, c'est pour que leurs portes soient ouvertes. On ne nous a pas appris à prier. Donc, il y a plusieurs types d'offrandes. Ce n'est pas seulement ce que tu donnes au pasteur qui te bénit. Il y a aussi ce que tu sors, tu donnes. Parce que certaines personnes sont fâchées. Que, oh, pourquoi je donne au pasteur? Le pasteur a sa place dans ta vie. L'orphelin a sa place dans ta vie. Tes parents ont leur place dans ta vie. Ou ton tuteur. Et après, tu t'occupes aussi de tes enfants. Voilà. Lisez Ésaïe 58, du verset 6 au verset 13. Voilà, je bénis vos offrandes. Seigneur, depuis le matin, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour les offrandes. Mais bon, I was just like, you know, j'oubliais un peu. Je vais le faire. Éternel des armées, je te prie pour cette personne qui a jeûné, qui est en train d'attacher à cette offrande une demande particulière. Dieu d'amour, de bonté, Dieu de miséricorde, écoute le cri de son cœur. Là où il était bloqué, là où elle était bloquée, je les débloque. Là où ils avaient manqué, que cette parole qui sort de ma bouche, Père, vienne les bénir et leur donner ce qu'ils demandent. Tout endroit où on s'était moqué d'eux, on les avait humiliés. Père, que tu te pointes pour les restaurer.
Pour les offrandes qui arrivent dans ce ministère aujourd'hui, par ce jeûne, je déclare qu'ils reprennent la force pour relancer leurs activités. Ils sortent de tout trou là où on les avait mis. Je vois quelqu'un ici là, tu pleures que tu n'as pas l'argent pour ouvrir ton magasin. On me dit que ton magasin est en train d'absorber l'argent parce que tu dis que tu n'as pas l'argent. Il te suffisait de faire d'abord une offrande, un prémisse avant de commencer à aménager ton magasin. Tous les travaux que tu as commencé sont en train de sucer ton argent. Je te libère. Comme tu as donné dans mon ministère, je déclare la grâce, l'onction de prospérité. Je déclare que tu ne seras jamais bloqué dans ta vie. Tu ne seras jamais bloqué dans ta vie. Au nom de Jésus. S'il y a un visa que tu attends, je débloque ce visa dans les 24 heures qui arrivent. Si tu attends une réponse de quelqu'un depuis pour un business, que tu reçoives cela. Vous savez, parfois je fais tellement de trucs pour vous. Personnellement, j'ai mes business, donc I got my money. Mais le Seigneur m'a mis à cœur que demain, c'est même mon anniversaire. Il m'a dit, je ne dois pas m'empêcher de recevoir. Parce que c'est quand je reçois quelque chose de vous. Il y a des personnes souvent qui me donnent quelque chose, je retire, j'ouvre là devant la personne, je mange, je prie sur la personne. Il reçoit sa bénédiction. Je ne peux pas vous empêcher de demander votre bénédiction à Dieu à travers moi. Je vous bénis. Que ceux qui ont déjà donné dans mon ministère, même si tu as donné, tu étais dans les soucis, que le Seigneur se rappelle de ce que tu as semé dans mon ministère. J'enlève le voile ou le masque sur ton visage. Que les connaissances que j'enseigne ici, que tu mettes en pratique et que ça te sauve, que ça t'aide, que tu sortes du trou où tu étais. Je déclare selon Genèse 12, verset 3. Toute personne qui te bénit est bénie. Comme tu me bénis, je multiplie ce que tu recevras par 100 et que tu reçoives. Au nom de Jésus. J'ai mis beaucoup d'enseignements. Depuis 3 jours, je ne fais que mettre les enseignements en ligne. Repartez, vous écoutez. Le numéro pour faire les dons, 237-693-50-22-66. Ça, c'est au Cameroun. Le nom, c'est Joséline. Au Gabon, 074-18-00-80. Au Burkina, 66-16-84-84. Si vous avez mon cadeau d'anniversaire quelque part, envoyez. Je ne vais plus vous empêcher de me donner quoi que ce soit. Si vous voulez envoyer à Douala, si vous êtes au Cameroun, envoyez à Douala au nom de M. Abbé Solo. Vous mettez le 693-50-22-66. Vous envoyez à l'agence, il va aller chercher. En France, j'ai une adresse en France et j'ai une adresse en Angleterre. Si vous prenez le numéro, vous écrivez, vous demandez l'adresse, on va vous envoyer. C'est ma copine, je ne peux pas vous envoyer son adresse comme ça sur les réseaux sociaux. Toute pensée que vous avez mise, l'autre jour, une dame est venue avec une crème pour les cheveux. Elle m'a offert ça ici à Abidjan. Et elle simplifie son cadeau. Je lui dis, arrête. Oh, c'est un petit truc. J'ai dit que non. Que si tu penses que ton cadeau est petit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Elle a rectifié ce qu'elle avait dit. Je suis en Côte d'Ivoire actuellement. Vous passez au local déposé, à côté du supermarché Bellecôte. Le numéro d'Abidjan, c'est le 0779-025205. Tous ceux qui me bénissent, je vous bénis en retour. Je débloque les portes qui avaient été fermées sur des vingtaines d'années, des centaines d'années sur votre vie. Je les débloque au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Demain, je serai en train de dormir. Hein. Je serai en train de faire mon beauty sleep. Ok. Je ne fais pas de fête maintenant. La fête sera peut-être dans 10 jours. Ouais. Je serai en train de faire mon beauty sleep quand même. Ouais. Je reçois les gens à 14h demain à Abidjan. Pour les consultations. Soyez bénis.
Bon, on vous laisse, non?